Fernando Cuadrado es Inertia Uruguay. Dans un moteur à essence, un mélange volatile d'essence et d'air est enflammé à l'intérieur du cylindre, ce qui provoque l'explosion des gaz. Les gaz en détente refoulent un piston qui fait tourner l'arbre de vilebrequin. Un temps correspond à un mouvement du piston, vers le bas ou vers le haut. La plupart des moteurs de voitures ont un cycle à 4 temps. Le piston effectue les 4 temps, puis recommence, et ainsi de suite. Le premier temps est l'admission ou aspiration. La soupape d'échappement est fermée et la soupape d'admission est ouverte. Le piston descend et aspire le mélange d'air et de combustible qui est admis dans le cylindre. Au cours du deuxième temps, la compression, les deux soupapes sont fermées, le piston remonte et le mélange gazeux est comprimé. Le troisième temps est l'explosion. La bougie produit une étincelle qui enflamme le mélange, l'explosion provoque le déplacement du piston vers le bas et les gaz subissent une détente. Puis vient la phase d'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte et expulse les produits de la combustion hors du cylindre par la soupape.